Salut. Ah, vous attendez pas à cette intro. Salut, comment ça va? Bonjour, bonsoir, pas bonsoir, bonjour, bon après-midi. Salut Tonio, comment tu vas? Salut Loulou, comment tu vas aussi? On se retrouve donc pour un nouveau live, un nouvel épisode, si je peux dire, sur Assassin's Creed Origins. On est parti pour, allez, on va pas dire 1h30, on va dire 2h maximum. Tu vois, histoire qu'on soit bien tranquille, tu vois, parce que la dernière fois on a rien foutu. C'est pas bien, c'est pas top, c'est pas cool. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour Assassin's Creed Origins avec notre cher ami Bayek de Siwa. Tu vois, Bayek de Siwa, l'homme lourd du game, tu vois, avec son ami Senou. Merci, bien merci. Et toi, comment tu vas? Voilà, ça va très très bien. Merci de demander. Salut tout le monde, ça va? Salut Dolphini, ça va très très bien. Et toi, comment tu vas? Salut Captain, comment tu vas? C'est les salut, c'est salut, 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 comment tu vas? Tu vas bien, tranquille et tout, la famille, ça va, ça tranquille et tout. T'inquiète, on est là, on gère. Enfin bref, on s'en fout, je raconte de la merde. Donc je disais qu'on se retrouve avec Bayek. On est là ensemble pour 2 heures, je pense, grand maximum. Je pense pas que je vais faire 1h30, tu vois, parce que 1h30, on n'a rien foutu. Donc on est là pour 2 heures. Pour 2 heures tranquille, et on va reprendre l'annexe. On s'est arrêté aux montagnes vertes, je crois, si je dis pas de conneries, avec une magnifique quête rouge, encore une fois, qu'il faut que j'ai récupéré, et des léopards et des serpents qui se font la guerre là-bas, tu vois, tranquille. Dites-moi si vous m'entendez bien, si le son du jeu c'est bon, si la qualité c'est bon, si je bouge la caméra, est-ce que c'est nickel, je regarde juste s'il y a la qualité, oui, il y a la qualité, tu vois. Donc on va reprendre. Ça va, merci, coucou Captain, coucou tout le monde, ça va, merci, et vous? Et on va direct s'occuper de ça là-bas, là. Histoire d'avoir de quoi chasser. Ah, tu es mort déjà? Ok. C'est bon pour moi la qualité Impact Warlocks pour le sang. Ok, merci. Alors aussi, tout est nickel. On va reprendre. C'est bon, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. C'est un point d'observation, ça? Oui, allez, YOLO. Voilà. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait aussi changé la tenue de Bayek. Bayek, Bayek. Avec le Bayek fatigué, tu vois. C'est bon pour les pubs. Ok, merci, Captain. Mais c'est fort sympathique sur Ring. Tu veux des piles? Allez, YOLO. Bayek, Bayek, Bayek. Voilà, là c'était mieux, tu vois. J'ai moins une voix de fatigué. Oui, Morias Baras, oui, si tu veux. Moi aussi, je peux débarrasser, t'inquiète pas. Allez voir Proxila à l'hospice. T'inquiète pas, ça peut attendre 30 secondes. C'est moi ou Bayek qui cavale pas? C'est bizarre. J'ai peut-être trop pris l'habitude de temps en temps. J'ai peut-être trop pris l'habitude de The Witcher et God of War. Allez, il est où ton papyrus? Là-bas. Les gardes sont très vigilants. Ah! Coucou! Salut, c'est Ivy! Vous m'avez manqué. Que racontez-vous, allez? Que racontez-vous, les gars? Ben moi ça va, tu vois, genre je me suis réveillé tranquille, je crois que c'était midi ou 11h. Un truc dans ce style-là, tu vois, un bon gros flemmard que je suis. Et puis voilà quoi, hein, je me suis réveillé tranquille, aujourd'hui il fait bon, et c'est hashtag que je raconte ma vie, hein, t'inquiète. Il fait bon, et puis après je me suis dit tiens, je vais faire un live d'origine, ça va être le bordel encore une fois, et puis ça va être cool quoi, voilà. Voilà. Ça va la vieille belle Warlocks? Ouais, tranquille, ça va. Ouais. Bah, c'est pour ça que mes lives sont l'après-midi ou la nuit, hein, tu vois. Genre, il y a une raison à tout ça. Ah, t'es pas mort? Ah, si, t'es mort, ça y est. Ah, donc ça, c'est les papyrus. On s'en fout un peu. Ah, le Suisse!
Raison de la flemme, c'est ça. C'est tellement ça. On va récupérer cette quête. Voilà un nouveau prétendant. Tout calme le camion. Non mais. Je sais pas si vous avez entendu. Derrière, la flemme est la base de tout. Eh oui, exactement. Tiens, regardez, lui, il a la flemme de se tourner. Bah, du coup, il va mourir. Ah, si, ça, il s'est tourné. Bah, il est mort quand même, tu vois, tranquille. La vie est belle. Destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Non, rien entendu. Ah, bah voilà. Idioti. Qu'a fait cet homme pour mériter un tel traitement? Il s'est enfui. Hubert soulève les voiles. Le voile, pas les voiles, attention. Attention. Gladiateur. Mais j'entends rien, c'est normal? Dormez. Voilà, là j'entends, mais par contre je m'entends plus parler, donc si je rigole, c'est pas grave! Nous étions en route pour l'arène quand des bandits nous ont surpris. Je suis le seul à avoir réussi à m'enfuir. On dirait qu'il galère à courir, bah y'a que c'est bizarre, ouais, on est d'accord. Mettre amené tes gladiateurs. C'est peut-être l'armure, la tenue. Tranquille. Quand tu auras trouvé mes hommes, empresse-toi de les conduire à l'arène de Sirène. Ou alors on a trop pris l'habitude de voir courir de Kratos et The Witcher. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que bon, tu vois, genre quand Kratos il tape un sprint, pas un string, tu vois, il tape pas un string, tu vois, genre c'est pas son kiff. Ah bref, je raconte la merde. Quand Kratos il tape un sprint, tu vois, alors tu le sens passer quoi. Une zone rouge avec une quête. Tu veux les piles. C'est tout? Oui, c'est la tenue de route de Bayak qui n'est pas bonne. Ah, bah il faut peut-être qu'il fasse réviser sa voiture. Hein. C'est tout? Ouh, toi, tu vas prendre cher. Allez hop. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'as fait un string, Catherine? Quoi? Il est interdit de venir ici. Qui veut, lui? Il se tape un string. Il faut réviser ses chevilles, t'entends? Personne m'a vu, personne m'a vu, personne m'a vu. Oh là! Mais quel 5 piles ce Bayek! Ah tiens raison, viens. Je suis bien planqué là, vas-y. Ah mais tu t'es empoisonné? Oh comme c'est dommage. Le mec il prend des dégâts mais il marche au calme. Regardez-moi ça. Moi je vais t'empoisonner mais c'est pas grave, tranquille, tu as vu, la vie est belle. C'est vraiment des 5 piles quand même, ces gardes. Allez, tombe! Non, pas encore? Ok. Lui aussi, il va s'empoisonner. Allez, hop, lui, il est mort. Ah, lui aussi, il va mourir. Quelle bande de 5 piles.
Je mange des bonbons. Eh ben tu as bien raison. Oh mais genre. On dirait que le gars l'a dit, c'est un culé, mais bon. C'est pas grave, tu vois, genre, tranquille. A tout héros descendu. Mais tu as pas compris que la mort, elle allait arriver, là. Oh, oh, oh. C'est bon la vie pour les grands. Les petits, ouais, c'est Haribo. Tiens, voilà, mange. Auxilium. Kick molest tous. C'est bon, y'a plus personne. Ah, il est où le trésor? Il est là. Et moi une glace. Dolphini, vengeance. J'ai des bonbons et des glaces. Ouais, mais t'as pas de monster. Donc c'est pas une vraie vengeance, t'entends? Je ne trahirai pas les terres noires. Tyran. Allez, sors de là. Je suis égyptien comme toi, Medjay. Pour le salut de l'Égypte, je t'en prie, nous devons fuir. Bah vas-y. Allez viens. Comme ça c'est fait, c'est réglé et on n'en parle plus. Ah mais il reste encore des gardes. Ah ouais. J'étais pas au courant. Viens passe par là. Des trous. Je bois du café, je peux pas. Ah bah rip alors hein. C'était un mur, c'est rien. Bon, il fallait où comme ça, cousin? Oh, mais il y a que des zones rouges ici. Non, c'est toujours pas bon. Ah, si, voilà. Viens ici, viens ici, viens ici, où tu vas, 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 où tu vas. Viens là. Elle boit du café et après elle y va. Tu sers Apollodorus. Je fais partie de ces petites manipulations divines. Une vipère dans les hautes herbes de Cyrénaïque. Nous sommes découverts. J'ignore comment et par qui. Mais c'est comme ça que le centurion m'a trouvé. Il détient une liste d'espions. Ah, tous ne résistent pas à la torture comme tu l'as fait. À gauche de moi, par terre. Ce Romain. Découvre ce qu'il sait. Il patrouille les tours frontalières. Je vais poser la résine et je pêche, Charles. Pour une Égypte libre. Ah, c'est pas fini? Bon, bah go, hein. Salut! Je ne fais que passer, vous inquiétez pas. Infernum! Je me fais pas avoir deux fois par le feu. Ou trois fois plutôt, si vous préférez.
double was in consummationem. Qu'est-ce que vous dites? Exactement, je vais poser la ligne spéciale. C'est pas Raoul, Warlock c'est le russe et Captain la portugaise, MDR et Tonio c'est l'anglais. On a fait le tour du monde. Non, il manque l'Italie. On sait pas trop pour Tonio, car Tonio est d'où au final? Bah y'a plus personne mon gars, donc ça sert à rien d'être prudent hein, à ce niveau là. Hein. Y'a quoi ici? Y'a pas de coffre? Ah c'est juste une zone rouge pour le plaisir en fait. C'est ça? Bah il est où lui? Ah ouais il est loin. Ah ouais. Bon bah go hein. Est-ce que c'est toujours dans ma région en fait? Parce que... Eh là c'est pas dans ma région. Mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait gros? Allez bis, je t'embrasse, tu m'as gonflé. La quête elle attendra. Allez hop. On a un mot pour tous. Marseille, bien sûr, lol. Mettez-vous, les PNJ, vous racontez n'imp. Il galère, Bayek. Hein. Bah alors, tu as pas bu de l'eau pendant que j'étais pas là? C'est parce quoi? Tu as trop bouffé? On peut encore voter, MDR. Oui, c'est vrai, vous pouvez encore voter si vous voulez. Pour mercredi prochain, le jeu qui remplacera Need for Speed Payback. Parce que Need for Speed Payback, il me reste que 40 minutes de jeu en live et c'est fini. Donc n'hésitez pas à voter, vous avez le choix entre Ghost of Retail ou GTA 5 Mod Store. N'hésitez pas. Putain, mais il galère beaucoup, je trouve. Si. Où est-ce qu'on va? Elle est pas censée être lourde, la tenue. Un nouveau bug Ubisoft peut-être, ah c'est possible. Ah ok c'est là. Regardez quand il court, on dirait qu'il grimpe une montagne. Il arrive plus. Tais-toi. Et meurs. Attendez, je vais juste vérifier un truc parce que c'est perturbant de le voir galérer à marcher comme ça. Donne-moi une tenue de merde. Allez hop, c'est là.
c'est bizarre. À moins que ce soit ma manette qui commence à lâcher, mais ce serait bizarre. C'était laquelle? C'est celle-là. Un verdict, je sais pas, genre ça rame toujours autant. C'est peut-être ma manette qui fatigue, hein. C'est pas impossible. Hein. Ouais, non, il y a une grosse différence. Non, ouais, non, il y a une grosse différence. Il s'arrêtait pas tout à l'heure. Là, il s'arrête un peu. Ouais, c'est la tenue. C'est la tenue. Du coup. C'est encore les montagnes vertes, ça? Ah oui, effectivement, ouais, c'est plus grand que prévu, ouais, c'est vrai. On va récupérer celle-là. Et on va y aller à cheval parce que bah y'a qui galère. Tout Kenneth. Qu'est-ce que tu racontes, vieillard? Tu as perdu la vue? Oui, une manticore a dévoré mes yeux. Hey, il est descendu du cheval. Ok. Pris la vue. Avec un corps de lion et un visage de femme. Voilà un lion bien féroce. Hélas, avant qu'elle ne revienne, amène-moi mon ami Teramenes à l'hospice. Il pourra m'aider. Tu as perdu la raison. Mais je ne peux pas te laisser à la merci des bêtes. Ah bah tu attendras un peu quand même, hein. Allez, salut. Les quêtes, c'est pas pour de suite. D'abord, on fait toute l'annexe, tous les points d'interrogation, et après, je pense qu'on fera un ou plusieurs lives, on fera toutes les quêtes secondaires, je pense. J'étais parti cueillir des bêtes. Il y a beaucoup de bêtes sauvages ici. Pourquoi n'as-tu pas d'arc? Un arc contre une manticore. Mon arc a tué des milliers d'animaux, tu sais. Oh, tu es le griffon? Tu en perds mon esprit? Oh, calme le mec! Toi, Galenos. C'est moi, Bayek, ton sauveur. On approche de l'hospice, Bayek? Je l'espère. Je t'ai même pas récupéré sur mon cheval, tu veux quoi, wesh? Oh, le fou Medjay. Quoi? Il a laissé le vieux monsieur par terre. Oh, le fou Medjay, il m'énerve. Moi, je suis pas un Medjay, moi, je suis un warrior, je suis un bourrin. Ah, le cheval, comment il se passe? Tape le sprint. T'es un warrior. Un warrior. Warrior. Ouais, c'est ça, warrior. C'est le mec qui sait plus parler. Pousse-toi, madame. J'ai pas le temps. Arrête, ça fait. Jai de Siwa. Ah bon? Pas avec moi. Ce travail a l'air épuisant. Avec moi, personne n'est un Medjay. Comparé aux gens de Siwa qui triment à la Duc, on est traités comme des pharaons. Je n'irai pas jusque-là. Il y a des problèmes à la Duc? Ouais, il y a un ingénieur, Vitruvius. Il tue les Égyptiens au travail. Et maintenant, il y a des soldats romains. Ce qui n'est jamais très bon. Je vais aller voir ce qui s'y passe. Ok, merci pour la quête. Moi je suis juste là pour le coffre en fait. Hein. M'en fous de votre vie. Une paquette! Chien, le paquette, frère!
J'ai pas le temps. Allez hop, point d'observation. Oh le Gérald. Une paquette. Même le cheval, des fois, il ralentit, je sais pas pourquoi. Je pense plutôt que c'est ma manette le problème. Derrière, tu l'as mis un paquet, oui. Pardon pour vos oreilles. Un Suisse, qu'est-ce qu'on a? On a là-bas. Allez hop. C'est bizarre parce que quand même sur les autres tenues, parce qu'il y en a plein, j'en ai plein des tenues comme ça avec l'armure en ferraille sur le côté comme ça et tout. Les autres tenues comme ça, ça me faisait pas ça, il ramait pas, Bayak. Si ? Je sais pas si vous en souvenez. Ou si ça date trop. Vu que c'est qu'un live par semaine, tu vois, je peux comprendre que ça date et que ça reste pas dans les esprits. Alors logiquement, il y a un coffre ici, voilà. Logiquement, il y en a un autre là-bas aussi. Ok, oh, il y en a un autre dans le coin aussi. Voilà. Et là-bas ? Ah, j'y étais. Un kikou. Non, il ramait pas. Voilà, on est d'accord. Bon. Peut-être parce que j'ai joué. Ok. Pourquoi tu lèves le poing comme ça, genre Ah bon? C'est quoi qui m'a frappé là? Y'a rien? Y'a pas de serpent? Parce qu'il veut viser la lune, d'ailleurs. Nitraillette. Non. Jeu qui te force à faire les quêtes annexes, quoi. Chargement. Peut-être que le fouet te délira la langue. Assez. Mes ouvriers n'y sont pour rien. Envoie-moi des soldats capables de penser ou nous ne retrouverons jamais ma Dioptra. Le général Agrippa va en entendre parler. S'il a la grippe, voilà. Et où va-t-on? À Franville. Dis à Agrippa que j'ai besoin de vrais soldats. J'ai besoin d'hommes capables de retrouver ces valeurs. Maintenant, retournez à vos outres de vin, vous qui n'êtes que puits de vacuité. C'est toi qu'on a chargé de tuer mon peuple au travail. Ton peuple? Ce sont mes hommes, et je fais mon possible pour les garder en vie, malgré la situation. Mais toi, qui es-tu, mon ami l'Égyptien? Bayek de Siwa. Bayek de Siwa. Protecteur de ces gens.
Il faut pas qu'il s'agrippe. Bien, Bayek de Siwa, je m'appelle Vitruvius. Et contrairement à ce que les gens pensent, tous les Romains ne sont pas vos ennemis. Si tu tiens à aider ton peuple, alors aide-moi. On nous a volé des outils. En particulier ma dioptra, un outil de mesure. Sans elle, je ne peux poursuivre la construction de l'aqueduc. Et ces crétins de soldats pensent que c'est à cause de mes ouvriers. Je peux peut-être chercher cette dioptra. Grâce à elle, ce canal surélevé sera en mesure d'alimenter nombre de fermes de Cyrénaïque. Va voir Dédi sur le chantier. Il a été le dernier à s'en servir. La fortune t'accompagne, Bayek de Siwa. Mais je m'en fous, je veux le coffre, moi. Eh oui, sinon, il devra aller voir le médecin. Ah, si, j'ai compris, ça y est. Ah, du coup, il y a un coffre là-bas, donc on va remonter, on va attendre la superbe musique, s'ils l'ont mise. Coucou le point d'observation, c'est encore moi. Alors il est où le coffre? Il est plus haut? Ah oui, il est plus haut. Bah ben voilà. Ensuite, oh, il y a un fort de niveau 3, tiens. Tellement de fun. Monte. Voilà. C'est fort en fun, Warlocks. Ah, tu as pas pris la corde. Ah, ok. Comment arriver au fort le plus rapidement possible? Non, 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 voilà. Alors, ce fort. Eh ben y en a du monde, ça s'arrête plus. C'est pas, j'ai eu tout le monde. Tout ce beau monde. Rien que pour toi, là. Ouais, ça va prendre des sales nuques, là, d'un coup.
moi qui vous le dis. Alors, est-ce que j'ai assez de flèches? Non. J'ai pas de flèches. Tu veux les piles? Ah, mais ça, c'est un moyen pour entrer. Ok, ouais, moi, je m'en fous. Je vais descendre. Alors. Ah, je vous l'ai pas fait encore. La justice arrive. Jamais on me voit ici. Ah bah si on te voit ici, c'est le bordel mon gars, je te le dis direct. De l'autre côté, Bayek. Ah, je peux pas te tuer à toi? Ah, ok. Où sont les flammes? Là-bas. Ok, donc il faut que j'aille là-bas. Après, je pourrais foutre le bordel. Là-bas. Ah mais genre. Non, mauvais bouton. Bayek tient des heures accrochées à une main. Ouais, tranquille, tu vois, c'est tranquille, quoi. Où est la flamme? Où est la flamme? C'est la flamme, c'est la flamme. C'est... Elle est là. Non, putain. Kounes, quoi? Kounas? Allez hop, ça c'est fait. Ensuite, est-ce qu'il y en a une deuxième? Non, il y en a pas deux, il y en a qu'une ici. Bah ben il y en a qu'une, alors c'est parti pour le bordel. Et moi qui vous le dis. Ah merde. C'est la flamme de ton cœur qui brûle le fort. Cette référence. Espice dit. Et Kounas.
Est-ce qu'il y aurait des flèches dans le coin, s'il vous plaît? Ah putain, il y a lui là. Normalement, les Romains, ils ont des flèches partout. Donc logiquement, ça devrait aller. Ah bah tu t'es empoisonné tout seul, c'est bien. Comme un grand. Toi là. Et toi, oula. Allez hop, ça dégage. J'ai pas le temps. Ça se voit, non? Ta flash glisse ailleurs, ouais, c'est ça? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me... Ah, il y a toi là-bas. Ah, y'a pas de flèche chez toi? Ah, ok. Eh ben, on remonte!
De ce côté-là, j'ai tout nettoyé, y'a plus des gars? Non. À quoi ça sert ici? Il n'y a plus de musique? Bah, apparemment, ouais, c'est envolé. Allez, tranquille, Bayek. Mais je sais tellement pas viser. Détourou. Eh ben alors, on m'a perdu de vue. Hein? Le bordel! Apprendre à viser. Ah ouais, là ils m'ont gonflé en fait. Ah, il y a un coffre ici. Comment je rentre? Par là. Ensuite, là-bas. Ok.
Bah, il est où le dernier coffre? Ah, il est là. Qu'est-ce que tu me montres? Ouais, on s'en fout de ça, Osef. Donne-moi ça. Y a pas encore une quête qui traîne? Non? C'est bon, j'ai tout vidé. Allez, salut! Bonne journée! Ah, y a encore une zone rouge là-bas? Ah bon? Bon, ensuite. Qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà, il nous reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Bah, on va aller là, hein. Oui, c'est vrai que c'est un peu le bordel, mais l'odieux, lol. Mais quoi, c'est pas cool le bordel? Est-ce que c'est là au moins? Y'a quoi d'autre à faire? Y'a un coffre peut-être? Ouais. Il me reste beaucoup à découvrir dans les montagnes vertes. Ouais, il me semble que ouais, il me reste. Bah là, j'ai une zone rouge à faire. J'ai encore un point d'interrogation ici à faire. Là, j'ai un point d'observation, une quête secondaire et un papyrus. Là, j'ai un point d'observation. Là, j'ai encore deux points d'interrogation. J'ai encore une quête ici. Et après, je crois que ça, c'est pas la même région. Ouais, voilà. Donc en gros, il me reste à peu près ça. Il me reste un peu ce coin-là, en fait. Moi, je kiffe cette région. Ouais, c'est pas la meilleure. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc on a encore un tout petit peu à faire, après on passe à la région d'au-dessus si j'ai le niveau, et je pense qu'on va faire ça, je pense qu'on va faire toute l'annexe, peut-être que si vraiment vous en avez envie on fera des quêtes secondaires en même temps, mais sinon je me réserve ça pour une autre fois. De toute façon j'ai été con, du moment même où j'ai accepté à Héraclion de continuer la mission, je me rappelais plus que ça allait s'enchaîner comme ça et tout, sinon j'aurais fait durer un peu, tu vois, on aurait fait un peu d'annexe, on aurait fait les éléphants, ça et tout, mais bon... Comme je me rappelais tellement bien de l'histoire, tu vois. Viens ici, flèche noire. Donc pour le coup, il nous reste que de l'annexe à faire avant le début des DLC. Tu montes Bayek là. Je viens de gruger le système du jeu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tranquille. Et hop, on va encore poutrer des gueules. Hey. Je vais te tuer. Chasser ta portée, tiens.
Et je crois qu'il y a un éléphant aussi dans cette région, mais je suis pas sûr. Alors je devrais être où? Inutile de fuir. Ah, il y en a un encore là. Il est où? Ah, tu es là. Moi, mes régions préférées, c'est celle où il y a le désert, tu sais, il y a les dunes de sable et tout. Moi, je préfère ça. Même s'il n'y a rien à faire dedans, tu vois, c'est cool. Il n'y a rien à faire, mais c'est cool. Ensuite, allez hop. Pas crédible, ils te menacent. Ils sont par terre, mais c'est parce que je leur laisse pas le temps, loulou, t'inquiète pas. Ouais. Quoi, c'est cool. Enfin, en vrai, c'est le premier Assassin's Creed où on voit autant de sable. Bah après, c'est un peu normal, ça se passe en Égypte, mais bon. Voilà, quoi. C'est vrai que c'est clair, loulou. C'est vrai que ça fait bizarre, tu vois. Genre, tu te dis, on passe d'un des Assassin's Creed où il y a des toits partout, tu peux grimper partout, à un truc dans ce style-là, où il y a du sable, il y a des déserts, on est en Égypte, ça et tout, c'est plus cool. Alors que tu vois, la Grèce antique, voilà, quoi. C'est la Grèce antique. Il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Hein. Ah merde. Comme il marche. Comme il marche. Chargé. Bah y'a qui nous a fait le spartiate là. Tu ne m'échapperas pas. Reste couché toi. Oula, je sais plus écrire moi MDR. Et il attend sa cible. MDR ouais. Bon mais t'inquiète, j'avais compris.
Alors, vu que c'est un live de 2 heures, est-ce que vous voulez une petite pause? Dites-moi. Donc ça c'est fait. On est toujours dans les montagnes vertes là, ouais. Ah, on va aller faire une bonne observation. Pas la peine la pause pour moi, pas la peine pour la pause pour moi, j'ai tout ce qu'il faut à portée de main. I'm a scat. MDR Tony au chocolat. Toujours, Captain. Ah, y a une zone rouge à côté. Ah, j'avais dit que je me taisais pour cette musique parce que je la trouve très cool. Oui, je vais vous faire ça à chaque fois qu'elle va passer. Zone rouge. Toujours gardé par des gardes, hein, bien sûr. Tout le monde s'en souvient, tout le monde s'en rappelle. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir mon let's play sur Assassin's Creed 2. Je vous invite à aller voir ça. Non, je refais la musique, Scatman. Ouais, elle est cool celle-là. Ouais, elle est cool celle-là, la musique. Moi, je la kiffe. Et tiens, la justice. Ah, bonjour le lion. Arrête de courir, tu m'énerves. Derrière la fameuse phrase du jour, ah bah ouais. Oui, j'avais compris Tonio, j'ai fait un jeu de mots pourri. Allez hop, tu tombes. Hop, tu tombes. Tu meurs dans ton sommeil. Toi là-bas, montre-toi. Ah, tu veux pas te montrer? Ah tiens, mec, comme ça. Ah ouais, tu es sûr de toi? Nul. Yeah.
AMDR, Rimmer, lol. Le sommeil est réparateur à ce qui paraît, bah pas avec Bayek dans les parages, espèce de Rimmer de rime. Tintin, péter les chevilles. Il n'y a pas un coffre ici? Mais si, il y a un coffre. Il est où ce coffre? Ah, bien, il y a encore un mec là? Ah non, mais c'est un. C'est un oiseau. Bah, il est où le coffre? Ah, il est là. Tu as la Rimmer facile. Allez hop, ça dégage. Ensuite, on a encore un truc ici, donc on va y aller. Donc personne ne veut de pause, hein, on est tous d'accord sur ça, j'enchaîne les deux heures. Ok, mais c'est une question. Hein. Je vous pose la question, c'est pas une affirmation. Comprenez-vous? Okidoki? Y'a quoi autour? Ah, mais c'est pour ça que j'entends grogner. Ah non, mais vous êtes loin, oula. Oui. Bah pour moi c'est ok si tu fais pas de pause, ok, d'accord. Ah, mais il y a des serpents. Merci, c'est nous. C'est ok. Ok pour moi. Ah, je savais qu'il y en avait encore un. T'es où? T'es où? Ok pour moi, ok pour toi, ok pour nous, ok LM alors, ok pour Sinon. Sérieusement. Non mais vraiment, vous l'avez fait là? Allez hop, ça c'est fait. Montagne verte, montagne verte. Là c'est Cyrénaïque. Là c'est montagne verte. Ok. Dans le plus grand des calmes, on est ok. Ah, mais c'est encore une zone rouge là-bas. Putain, mais il y a que ça en fait dans cette région, que des zones rouges. Dans les montagnes, on est ok. Verte. Merci Lost LPH pour le follow. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Bien que je sois KO, je suis ok. Pourquoi pas, hein, Captain, y a pas de souci avec ça. Ça va, Captain? Parce que tu enchaînes les jeux de mots là. Hein.
Ah, oh, il y a encore une belle musique. Ah, oh, qui me dérange? Qui ose couper ma musique? Toi? C'est toi qui coupe ma musique? Ah, mais il y en a encore. Merci pour le follow, Lost LPH, et bienvenue à toi. Merci pour le follow, LPH. Et bienvenue à toi. Oui, j'ai sommeil, mais ça va, lol. Eh, psst. Qu'est-ce que tu fais tout seul? Vos adeptos vestri licentia capsulum ficus fatus. Le nouveau follow, il est ok aussi au calme. Mais je rigole. Ok, donc toi tu gardais je sais pas quoi, mais tu le gardais. Ok. Salut! Bonne nuit! Ah, ils attaquent à vue. Oula! Attends, on va faire venir ces nous d'abord. Ouais, tout le monde là. Allez hop. C'est de l'autre côté. Voilà. Du coup. Yann Duplex. Il est en duplex, Yann. J'étais pas au courant de ça. Et il y en a là aussi, non? Ah oui, effectivement. Y'a pas grand monde dans ce camp de rigolo comme dit Captain. Mais tu veux quoi, frère? Sérieux? Tiens, mange, voilà. Y'a pas le people dans le fort, lol. Allez, venez, venez, allez, allez, ça va, on a compris, venez, je vous attends. Allez-y. Ah, plus de batterie. Le pupal est sur le tapis rouge. Putain, il est relou lui. Trinca!
Où tu vas? Sérieux quoi, qu'est-ce que vous me dites? Kampala, tu es sûr que c'est Assassin's Creed le jeu? Car en voyant Warlock jouer, je me dis que c'est Borderlands. MDR, c'est ce qu'on aime avec Warlocks, des gifs gratuites. MDR, c'est Benny Hill. Ben ouais, tu vois, c'est un média et tout, tranquille, il est là pour protéger le pape et pour le tuer aussi par la même occasion. C'est bon, y'a plus des gars là? Allez hop. Oui, bah y'a qui est deux en un, il protège et il tue. Bah c'est ça, ouais, il protège et il tue. Ouais. C'est le Medjay deux en un, ouais. Vive le Bayek, lol. Nouveau slogan de Bayek, deux en un. Y'a pas plus fort. Je peux monter en haut. Non, pas sur le feu, mongolais. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais ouais, pourquoi pas. Je peux pas monter en bas. Merci, Captain Obvious. En poutre, en nuque, sans l'eau. Ça y est, je vois que vous êtes parti, vous êtes à fond. Allez hop, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. J'ai pas le temps de jouer, les gars. Car c'est Maître Yolo qui joue. Ça vous a marqué ça, hein, Maître Yolo. Ah ben toi tu es mort comme une victime. Voilà, comme ça moi ça s'est fait. Tu as raison, viens doucement, le plus tranquillement possible. Tu vas manger une nuque, c'est moi qui te le dis. Et voilà. C'est bon, y'a plus de dégâts? Combien de coffres ici? Deux. Allez hop. Il y en a un là-bas de coffre. C'est Maître Yoda qui joue, bah on pourra dire qu'il a perdu la raison. Bah récupère. Merci. Ensuite, où est le deuxième? Il est là-bas.
Putain, par contre, pour le graphite, c'est vraiment des chiens dans ce jeu. Il pourrait en donner plus. Parce que j'ai plein d'améliorations à faire et je peux pas les faire à cause de ça. Bon, ben ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Montagne verte, ça s'arrête là. Donc là, on est à la limite. Et après, il me reste 2-3 trucs. Ouais, on n'est pas loin d'avoir fini en fait la région pour l'instant. Au niveau des points d'interrogation, des points d'observation, tout ça et tout. Et après, je sais pas, peut-être qu'on partira sur la région qu'il y a au-dessus, si j'ai le niveau, bien sûr. Sinon, ben, on partira ailleurs. Tranquillement. Et il faudrait que je chasse aussi, parce que... Enfin, c'est pas de la chasse qu'il me faut. C'est quoi qu'il me faut déjà? Je sais plus. C'est quoi au-dessus déjà? Je crois que c'est Cyrenaïque. Si je dis pas de bêtises. Ah, il me faut du bronze. Là, du bois. Là, du bronze. Du bois. Ça, c'est pour le DLC, la malédiction des pharaons. Donc, on est tranquille. Mais là, il manque un graphite. Une fois les points d'interrogation faits, on aura plus à s'interroger. Bref, c'était nul. Chafou. Des Artonions. Tonio MDR, il est parti en pole position des jeux pourris. Tu veux un Oscar, Tonio? Il galère toujours à avancer, bah y'a qu'un, c'est affolant. Hein. Ah. Voilà, merci. Depuis tout à l'heure j'appuie sur X pour que tu m'entends, mais bon, c'est pas grave. MDR, un Oscar? Ce serait tellement cool, Raoul. Sérieux. J'ai l'aide. Ah non, je suis rasé. Non, merci. Allez, c'est nous. Fais le taf. Je sais qu'il y a un papyrus ici. Voilà. Et il y a une quête secondaire aussi. Cet endroit, ce sanctuaire, il est habité de pouvoirs divins. L'oracle est en train de m'attirer vers elle. Je le sens. Je suis plutôt Mac 3. J'ai ressenti ta présence dans mes visions, Aigle. Apollon a parlé de toi. Le roi a pleuré quand il a tué le cerf blanc. Car c'était la chasseresse enchantée, belle, douce et pâle, entourée d'un halo d'or. Apollon a prié Gaïa d'apaiser le chagrin du roi. Un lac de larmes au-dessus des plaines. Le dieu soleil a frappé de son poing la montagne, prit l'objet de son amour et lui dit: nul ne te cherchera. Ou Mac-O. Personne. Macho, Mac-O. Il l'élèvera au-dessus des 5 villes avec le halo de la chasseresse dans son bec. Pourquoi m'appelles-tu Aigle? La relique sacrée te revient, Aigle. Trouve-la et accrois tes richesses. Ok, merci. L'arme dans les montagnes. Apollon veut que je trouve ce halo de la chasseresse. Vous êtes resté bloqué sur... Vous êtes resté bloqué sur... Ça c'est Cyrenaïque, ouais, ça c'est une Cyrenaïque. On a encore un truc ici. Et encore deux trucs ici. Donc on va se TP. Parce que j'ai un peu la flemme de marcher. Et vive la TP! Ouais, mais c'est dommage, c'est pas la TP à la Son Goku, tu vois.
ça irait deux fois plus vite, il n'y aurait pas de chargement. Qu'est-ce qui venait ensuite? Le soleil a frappé de son poing la montagne. De toute façon, les Romains ne peuvent pas tester Bayek. Exactement. C'est la philosophie de Manu dans Need for Speed 2015. Hein. Non, pas cette expression, lol. Ah, bonjour. Bordel. Quel grand philosophe qui peut. Vous pouvez voter pour le choisir le jeu qui remplacera NFS Maybach le mercredi. J'en suis. Ben voilà. Ensuite, c'est où j'ai dit? C'est là. Il me reste deux trucs à faire. Ah, ça va être loin. Y a pas une TP dans le coin? Ouais. Non. Flemme. Le cheval, c'est vraiment génial. Allez hop, ici toi. Fous-moi la paix, Cobra. Viens ici! Arrête de viser. Bayek pas content. Bayek, il va te démonter ta gueule. Où tu vas? Non mais oh.
Elle s'est enfuie, ouais, c'est ça. Elle s'est enfuie, mais moi je lui laisse pas le temps, tu vois. Du coup, c'était où? C'était là, bah c'est fait. Donc, du coup, on va aller là. Laisse-la partir, non! Il me faut sa fourrure! Ah, c'est une zone rouge! Mais elle est où la zone rouge? Là-bas? Il y a une flamme dans tout ça? Poutrelé! Ah, chez moi, c'est vraiment la vie détente! C'est la vie détente jusqu'au bout, tu vois! Genre, j'étais tellement, j'ai la flemme d'être discret! De toute façon, c'est que de l'annexe, donc bon. On sera plus discret dans les DLC, t'entends? Ou peut-être pas, je sais pas. Ça dépendra de bonne humeur. Hey! Personne ne nous aura aujourd'hui. Hein, mais que... Rien ne dit que le danger soit passé. Non, loulou, 30 millions d'amis. Ah, c'est rien, ce sont que des léopards. Ah, les amiibo, c'est pas ça du tout, les gars. Les amiibo, c'est pour la play. Pour la play. C'est pour Nintendo. Hein. Oui, MDR. C'est bon? Allez, j'ai la flemme des disques. Monte. Ah. Encore du monde? Où ça? Ah, c'est en dessous. Hein, mais que... Toi, tu vas crever. Vas-y, je t'en prie, tu vas mourir tout seul, mon grand. T'inquiète pas, voilà. Terminé, il n'y a plus personne. Si, si, il y a encore du monde. Le messager a été torturé par les bandits. Où est-ce que je suis? Il manque un coffre. Allez, hop. Mais il n'y a pas le coffre, là. C'est Starnac. Il n'y a pas de capitaine, aussi. C'est Starnac. Quoi?
toi. Ah, tu es là. Tu vas crever. Et le coffre, il est où? Il est là? Bah non. Non, c'est pas là. Toi aussi, perds-toi dans un labyrinthe. C'est pas là non plus. Merde, mais c'est où? Qu'est-ce que je rate? Là. Voilà, c'était la zone rouge du futur. Et du rose, mais c'est rouge. Du coup, je peux faire une fabrication. C'est quoi? Ah bah voilà! Maintenant, il va me falloir les trucs du DLC, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ok. Et je crois qu'on a tout fait. Non, il manque un truc. Il manque même deux trucs. Ah ben on va y aller. La zone rouge de Futur. C'est où? Ah c'est là-bas. Bon quand même en 2 heures on aura fait toute la montagne verte. Ouais. Je suis pas convaincu sur le fait qu'on avance beaucoup en fait. C'est énorme dans Origin. Ouais, je me doute. Putain, je me suis fait mal. Je me doute, mais tu vois, genre la dernière fois, en 1h30, on a fait 3-4 régions. Ou 2 régions, allez, parce que 3-4 régions, je fais mon Marseillais, tu vois. Mais... Et là, en 2 heures, on a fait juste les montagnes vertes. Sachant que ce qu'il y a là-bas, je vais peut-être pas le faire de suite, parce que je crois que c'est l'éléphant. Et sinon les autres lives, ouais, on a fait 2 régions en 1h30 quasiment. À part le dernier live où on s'est gobé le tombeau, le fameux tombeau qui nous a pris 40 minutes. Mais sinon à part ça, ça va. C'est les cercles de pierre que j'ai pas vu beaucoup moi. Pour l'instant.
Encore une zone rouge? Eh oui, c'est là où il y a l'éléphant. Ou peut-être que ça c'est la zone rouge et derrière il y a l'éléphant. Parce qu'il y a encore un point d'interrogation derrière ça. Enfin, là-bas. Ah oui, c'est une carrière ça. Carrière. Ah ben on va encore beaucoup s'amuser, dites-moi. Il y a la flamme là-bas, mais je crois pas que les filles là qui peuvent venir, donc on s'en fout. C'est tout? Tu vas me dire que c'est tout? Ah, raté. Je vais le tuer à côté avec la flèche MDR, ouais je sais. Bah voilà. Le feu. Voilà, et là-bas on a l'éléphant. Ici il y a l'éléphant, donc je pense qu'on a tout fait pour la montagne verte. Soit je pars sur une nouvelle région. Soit si vous voulez pour la fin du live j'essaie de me tenter l'éléphant.
Il nous restera juste les quêtes annexes, visiter cette zone-là. Après, il y a encore beaucoup à faire. Il y a ici, il y a ici, il y a ici. Il y a là, il y a ce coin-là, il y a ici, il y a ici. Tu les ferais quand, les éléphants? Je sais pas, c'est comme vous voulez. Si vous voulez que j'en fasse un maintenant, j'en fais un maintenant. Il y a ici aussi. Vous voulez qu'on se tente l'éléphant? Pour les 10 dernières minutes du live? Allez! Bah allez, ça va. On va se faire l'éléphant. Est-ce que j'ai toutes mes flèches? Ouais, ok. Je sais pas combien il y en a ici, je crois qu'il y en a un. Et je sais pas quel niveau il est par contre. Salut! Allez, Bayek. Go!
Les éléphants, Alex, sont plus forts que les éléphants de l'histoire principale du jeu. Oui, c'est vrai, MDR. Oh, MDR, il prend cher, Warlox. Ah ben voilà, je l'ai fait. Tranquille. GG Warlox, merci. Tu sais, ça m'a pris quoi, 5 minutes. Vraiment, tu sais, je me suis dit, ouais, ça va faire les 10 dernières minutes du live et tout, tranquille. Non, 5 minutes. GG, merci. GG, merci de le finir. C'est bon, cassons-nous de là, c'est fait, t'entends. Quitter campement. Du coup, la prochaine fois, on démarra Cyrenaïque, je crois, si je dis pas de conneries. Je vais juste regarder ici s'il y a quoi que ce soit pour faire quoi, quelque chose. Oui, il y a. Donc, on va juste se téléporter, vite fait. On va voir si on peut trouver une nouvelle tenue pour Bayek, parce que celle-là, elle est bien, mais elle est lourde pour lui, apparemment. Quittage le campement. Et puis, jeudi prochain, on commencera donc Cyrenaïque. On fera Cyrenaïque. Je pense qu'en une demi-heure, 40 minutes, ce sera peut-être fait. Et après, on passera à une nouvelle région. Et non, pareil. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Après, nous, on se retrouve demain soir à partir de 22h pour Horizon Zero Dawn, la suite. Franchement, à chaque fois que je sais qu'on arrive en fin de semaine, je me dis, tu sais, putain, il y a Assassin's Creed Origins, il y a Horizon Zero Dawn, tu vois, ça, c'est des jeux vraiment que je kiffe beaucoup et c'est des jeux que je kiffe faire avec vous. Donc, du coup, franchement, ça me fait plaisir. Début de semaine, tu vois, je suis encore un peu craintif parce qu'il y a God of War, il y a The Witcher, mais. Sinon, dans l'ensemble, c'est cool. Alors, on va aller voir un marchand. Hop là, voilà. MTR. C'est le début de semaine, je sais que je dois démarrer ma semaine de live. Je suis là, je suis fébrile. En mode, putain, il faut que je fasse Horizon. Putain, il faut que je fasse God of War. Putain, il faut que je fasse The Witcher. Putain, est-ce que je vais gérer? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va pas être trop nul? Est-ce que ça va pas ennuyer les gens, tu vois, et tout? Donc, parce que je connais pas les jeux, en fait. Non, non, bah, calme-toi, reste tranquille. Y'a personne à poutrer ici. Salut! Ah, alors là, il y a beaucoup plus de tenues, mais les tenues elles coûtent 2000, donc tu vas t'habituer à ces jeux, à nouveau jeu, à nouveau gameplay de début de semaine, t'inquiète, voilà. Ouais, je sais, je me doute, mais voilà quoi. Très honnêtement, alors pour la tenue, on a Maraudeur de Savane. C'est cool, tu gères bien. On a Maraudeur de Savane en tenue, parce qu'il faut qu'on change la tenue, bien évidemment. Il y a Chef Perse, tenue rare, sans la capuche, bien sûr, hein, si je mets cette tenue, c'est sans la capuche. Et on a Angai Nanyoki. On va savoir parler, vous inquiétez pas. Donc dites-moi s'il y a une tenue qui vous intéresse, et puis on verra. Et Captain Gerb, bien sûr, sur Rise, MDR. Nanyoki, perce pour moi. Ah. Qui va départager tout ça? Ça c'est Nanyoki, ça c'est perse. Est-ce que quelqu'un a son mot à rajouter? Sinon, ça veut dire que c'est moi qui choisis. Perse, ça fait bizarre d'être d'accord sur une tenue avec Dolphini. Je crains le pire pour Speedoudou. MDR, MDR. Perse! Perse pour deux personnes. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter un vote? Vous avez le droit de voter pour le choix de la tenue. Soit c'est Nanyoki, soit c'est Chef Perse ou Maraudeur de Savane. Si vous en avez envie, Protecteur, elle est un peu moche. Enfin, je trouve qu'elle est beaucoup moche même d'ailleurs, cette tenue. Donc celle-là, on va l'esquiver complètement. Donc vous avez le choix entre trois tenues. Si quelqu'un d'autre a envie de rajouter un vote, dites-le. Manifestez-vous, tranquille, t'entends. Sinon, ce sera Chef Perse.
Les gnognos, les kiki. Quoi? Tu sais pourquoi les gnocchis d'un coup? Chef Perse une fois. Chef Perse deux fois. Chef Perse trois fois. Ah, du j'ai vendu. Alors. Il y a un forgeron. On va faire le vide vite fait. On va équiper la tenue sans la capuche. Tiens, je vais te vendre des trucs. La prochaine tenue de Speedo, c'est Sackman. Tu vois, c'est pas Dolphini qui l'a dit. D'accord. Non, je refuse. Grâce à toi, Tonio. Je sécherai le live. Mais tu pourras pas sécher le live parce que c'est ton héros, c'est ton héros préféré, tu vois. Donc tu peux pas sécher le live. Je sais qu'au fond de toi tu le feras pas, tu vois. Interdiction de sécher, lol. The dictateur. D'accord. Non, je vois pas, connais pas. Sackman. Allez, qu'est-ce que tu peux m'améliorer? Ah, ça sert à rien, c'est quasiment au bon niveau. Ah, si je fais ça, il me reste plus rien. Il faudrait que j'améliore celui-là aussi, et lui. Alors, on va faire fumer miroir. Et je peux me permettre de faire la lame ultima. Allez, hop. Bah pas grave, tu vas connaître. Et au revoir, oui. Au revoir, à bientôt, bonne journée. Merci d'être passé, t'entends. On va se mettre sur un toit et on va s'arrêter là, je pense, parce que ça fait déjà 2 heures. Les lives Origins, pour l'instant, sont courts. Il faut entre 1h30 et 2h. Mais dès que j'aurai fini l'annexe et je commencerai les DLC, on recommencera à faire des lives de 3 heures, ne vous inquiétez pas. Donc écoutez... On va s'arrêter comme ça. On va mettre la tenue. Voilà. Oh, tu vas prendre... connaître. Calmez-vous. Bon, écoutez, c'est ici que s'arrête ce live de 2 heures sur Assassin's Creed Origins. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a détendu, tu vois, parce que c'était live détente pour l'instant. Après, on reprendra l'histoire avec les DLC, tout ça et tout. Je vous souhaite à tous une très très bonne après-midi ou une fin d'après-midi, tout dépend de ce que vous faites. Reposez-vous bien, détendez-vous, buvez de l'eau, faites attention à la chaleur, même s'il fait plus très chaud pour l'instant. Bonne fin d'après-midi, bon début de soirée, bon appétit pour ceux qui vont manger, parce que, tu vois, genre dans 3 heures, habituellement les gens mangent, tu vois, 19h, 20h, 22h. Je vous donne rendez-vous donc demain à partir de 22h jusqu'à 1h du mat pour Horizon Zero Dawn, la suite avec notre cher ami Aloy. Sinon ce soir vous pouvez retrouver également Captain Price sur sa chaîne Twitch en live 22h, 1h du mat pour Shadow of the Tomb Raider si ça intéresse des gens. N'hésitez pas à venir, voilà, tout simplement. Prenez soin de vous, c'était Warlox. Salut. J'ai pas vu. Merci Warlock, super live, bonne ambiance. Merci Warlock pour ton live et merci à tout le monde dans le chat. À ce soir, les copains, manger à la 16h40, pourquoi pas. 16h40, tu vois, j'ai dit dans 3 heures, les gens mangent à peu près, tu vois. Alors, si j'avais écouté un peu ce que j'ai dit, Captain, peut-être que tu en serais pas là, t'entends. Je taquine, bien sûr. Hein. Merci pour le live, c'était sympa. Rendez-vous ce soir ou demain, à bientôt. Merci à tous, merci Dolphini et Loulou. Merci à la team Rodif et merci aux nouveaux followers aussi, Lost. Je ne t'ai pas oublié. Et merci à la team Rodif qui regardera, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus et à vous abonner seulement si le contenu de la chaîne vous plaît. Salut. Allez, ciao. La justice.